Merci d'être ici, merci aux organisateurs d'avoir organisé cette table ronde. C'est un sujet vraiment, vraiment passionnant dont on va débattre ce matin, la situation et les perspectives de l'immobilier roman. C'est un sujet dont tout le secteur parle et ne fait que de parler. On a toutes les semaines, on a des nouvelles études qui arrivent. Où va l'immobilier roman? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des bulles? Est-ce qu'il n'y a pas des bulles? On a eu cette votation encore sur les résidences secondaires qui change encore la donne pour beaucoup de cantons, entre guillemets, périphériques. Donc, vraiment, situation et perspective de l'immobilier roman, c'est le débat essentiel dont il fallait parler pendant ce forum immobilier. Vous êtes professionnel du secteur, vous savez beaucoup mieux que moi. Dans l'immobilier, on croule vraiment sous les statistiques. Il y en a tous les jours, toutes les semaines qui sortent. L'UBS en sort une, le Crédit Suisse en sort une, Wüest Partner en sort une, etc. Et au final, on s'y perd un peu dans toutes ces statistiques. On ne sait pas très bien quoi en faire parce qu'elles sont toutes... Il n'y a pas une grosse tendance qui se dégage. Certaines sont souvent très contradictoires. Eh bien, c'est justement ce qu'on a voulu faire aujourd'hui avec cette table ronde et avec les recherches du professeur Thalmann. C'est on a voulu vous permettre de nous y retrouver un peu dans toutes ces statistiques. D'abord, pour le faire, on a réuni, et ce qui est probablement, M. Benolo me disait tout à l'heure, unique, dans le petit monde de l'immobilier roman, ou même suisse, on a réussi à réunir tous les partenaires autour d'une table. Il y a le professeur Thalmann de l'EPFL, mais il y a aussi des instituts comme Acant, comme e-consulting, comme Wüest Partner, comme le SIFI. Tout le monde s'est réuni autour d'une table pour faire une statistique des statistiques, si vous voulez. À tous ces partenaires, on leur a demandé de plancher sur un tableau de bord prospectif. Ça, c'est très important. Les statistiques sont plutôt des mises en perspective de ce qui s'est passé. Et on sait très bien que ce qui est arrivé dans le passé n'est pas forcément indicateur de ce qui va se passer dans le futur. Avec cette étude, on a vraiment essayé de faire un tableau de bord prospectif, d'essayer de vous montrer ce qui va se passer, avec toutes les guillemets qu'on peut mettre autour de ces perspectives et dont le professeur Thalmann va nous parler. C'est jamais facile de prévoir l'avenir, on le sait tous. Donc un tableau de bord qui serait la synthèse de toutes les études qui existent et qui nous permettent d'être prospectifs. Dans l'idéal, avec cette seule étude, il n'y aurait plus besoin de lire toutes les autres statistiques, celle-ci suffirait. Parce qu'on pense que cette étude est vraiment intéressante et qu'elle va vraiment vous passionner et qu'elle va vraiment suffire pour être prospective, on va d'ailleurs la publier chaque année à partir de cette année pour permettre après d'avoir une sorte de track record et de vérifier la qualité de nos prévisions. Donc c'est donc autour de ce tableau de bord que va se dérouler toute la matinée d'aujourd'hui. Avec, en première partie, nous aurons le professeur Thalmann qui va nous faire part du résultat de ses études. Alors je vous présente brièvement, le professeur Thalmann est professeur d'économie de l'environnement à l'EPFL. C'est un grand spécialiste de l'évaluation immobilière. Ensuite, on va continuer après la pause café avec différentes mises en perspective de certains points de l'étude. On aura Étienne Nagy qui est directeur de Neuf Immobilier. Il est aussi membre de la Chambre suisse des experts en estimation immobilière et président du comité de la Chambre genevoise immobilière. Genevois, donc il fera un zoom sur l'immobilier résidentiel genevois. Ensuite, il sera suivi par Stéphane Farlander, qui est président de Farlander Partner. C'est un ancien Wüest Partner qui a fondé en 2006 sa propre entreprise. C'est aussi un expert en estimation immobilière. Il nous fera un zoom sur l'immobilier résidentiel vaudois. Après, on passe à Hervé Froidevaux, qui est un partenaire de Wüest Partner, et qui est de nouveau un spécialiste de l'évolution immobilière. Et lui, il fera un zoom sur l'immobilier commercial, Roman. Donc, vous avez compris le fil rouge de la matinée. On va commencer par l'étude globale sur l'immobilier en Suisse. Et après, on va passer à un zoom sur l'immobilier résidentiel vaudois. Après l'immobilier résidentiel genevois et après l'immobilier commercial roman. Donc de pouvoir se mettre en perspective et de faire des focus sur tous les points chauds, disons, de l'immobilier en Suisse romande. Bon, après ces mises en perspective, on va reprendre un peu de hauteur et on passera la parole à Xavier Comtesse. Donc Xavier Comtesse, je pense que vous le connaissez tous, il est directeur roman d'Avenir Suisse, c'est surtout un grand agitateur d'idées qui aime bien mettre le doigt là où ça fait mal et vraiment prendre de la hauteur et mettre de la perspective. Il va nous remettre en perspective l'immobilier dans un problème beaucoup plus vaste qui est le problème essentiel, c'est celui de cette métropole lémanique qui est en construction. Et cette construction de la métropole lémanique amène énormément de problèmes de mobilité et aussi d'habitat, mais on verra bien que l'immobilier n'était qu'une partie de ce vaste problème. Xavier Comtesse va nous en parler. Voilà,
Ça, c'est la fin de la journée. Ça va, on va la faire suivre par une table ronde où vous pourrez poser toutes vos questions, faire part de vos expériences, dire que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec les analyses que l'on vient de faire. Donc, je vous rappelle, c'est très important pour qu'une journée comme celle-ci soit vraiment intéressante et passionnante. C'est essentiel que vous participiez et que vous posiez des questions. Sinon, ça va être tout simplement un exposé. Vous aurez l'impression de vous retrouver sur les bancs de l'université. Ça ne va pas être passionnant. Donc, profitez. Vous avez des experts qui sont à votre disposition. N'hésitez pas à leur poser des questions, à leur demander tout ce que vous voulez. Voilà, j'ai déjà pris un petit peu trop de temps. Et je passe sans transition la parole au professeur Talman, qui va nous faire part du résultat de ses études. Monsieur Talman, à vous la parole. Merci beaucoup. Bonjour. Les bancs de l'université peuvent être tout à fait passionnants. Je ne crois pas qu'il faille confondre. Voilà, alors effectivement, j'ai préparé un exposé qui est relativement long, puisque j'ai... Puisque j'ai à peu près 50 transparents, 40 minutes à disposition, 2000 points d'observation à vous montrer. Donc redressez vos sièges, attachez vos ceintures. Mais je m'inquiète moins pour votre attention que pour ma voix. J'essaie de tenir le coup jusqu'au bout. Et vous serez indulgent, évidemment. Peut-être vous tournez, parce que je crois que c'est pas mal, vous puissiez voir les... Ah, génial. Je n'ai pas vu. Ah, c'est parfait, merci. Donc, effectivement, il faut se concentrer sur les transparents. Alors, je vais commencer avec un petit peu de modèle, parce que je suis quand même un professeur, hein, donc on va faire des modèles. Le premier modèle que j'aimerais vous montrer, c'est un modèle très simple qui montre les facteurs qui déterminent les loyers du marché pour les logements. Alors, il y a un petit peu de grammaire à apprendre. Je vais être un peu pédagogique, là, excusez-moi. La chose qu'il faut comprendre, c'est que vous avez... On va essayer d'expliquer ce qui se trouve au milieu, c'est-à-dire les loyers du marché. Et on va le faire en fonction des déterminants qui sont d'un côté le consentement à payer des locataires, donc si vous voulez, l'offre de paiement des locataires, ce qu'on appelle la demande. Puis de l'autre côté, vous avez les exigences des propriétaires, leur demande de loyer, ce qu'on appelle l'offre. J'espère que vous êtes perdus là, hein, c'est bon. Alors, le consentement à payer des locataires, ça dépend de quoi? Ça dépend d'une part de la démographie au sens large, donc ce n'est pas uniquement l'évolution du nombre d'habitants, c'est aussi des choses comme la composition, décomposition des ménages, par exemple. Et puis l'autre facteur important, c'est la capacité économique qui englobe essentiellement les revenus, bien sûr, mais aussi des choses comme le chômage ou la confiance qu'on a dans l'avenir et ces choses-là. Voilà ce qui détermine le consentement à payer. Et quand une boîte aura une couleur verte, ça indiquera une amélioration, donc on prévoit une augmentation, par exemple, de la démographie ou de la capacité économique. Et une boîte verte avec une flèche verte indique que cette augmentation a un effet positif sur le consentement à payer, qui lui-même a un effet positif sur les loyers. Les locataires sont prêts à payer plus, peuvent profiter d'augmenter les loyers. Du côté de l'offre, donc du côté des exigences des propriétaires, elles dépendent grosso modo de deux facteurs qui sont d'une part tous les coûts, qu'il faut couvrir évidemment avec les revenus locatifs, et plus les coûts sont élevés, plus les exigences vont être élevées, plus les loyers vont être élevés, toujours des flèches vertes. Et puis, par contre, quand c'est rouge, les coûts baissent, les exigences baissent, les propriétaires et les loyers peuvent baisser. Je vous ai compris comment ça marche. Et puis autrement, l'autre facteur important, c'est le logement disponible, le logement qui va arriver sur le marché. C'est essentiellement la nouvelle construction, un petit peu aussi les logements vacants, mais vous savez que c'est une denrée rare. Donc lorsque, alors là, l'effet est inverse, quand il y a plus de logements disponibles qui arrivent sur le marché, eh bien la flèche est rouge, l'effet est inverse, ça va plutôt réduire les exigences des propriétaires, ils ne peuvent pas être aussi gourmands, si j'ose dire, et ça va plutôt pousser les loyers à la baisse. Donc voilà, ça c'est la grammaire de base du petit modèle. Alors on va l'utiliser pas seulement pour les loyers de l'offre ou du marché, mais aussi pour les loyers du stock. Les loyers du stock, le modèle est essentiellement le même. Les coûts ne seront pas tout à fait les mêmes. Certainement que les coûts de construction jouent un rôle moindre pour les loyers du stock. Par contre, on a le droit du bail qui intervient, qui peut intervenir avec un effet modérateur théoriquement, lorsque les taux d'inflation ou taux d'intérêt de référence diminuent, via le droit du bail, en principe, les loyers devraient baisser. Ça, c'est le schéma en rouge, la partie rouge du schéma du bas. Vous voyez donc si l'inflation est en décroissance, etc., l'effet est à la baisse sur les loyers.